On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit les co-animateurs du 50e gala de l'excellence de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, soit François Bessette, que vous connaissez bien comme étant l'animateur du matin à Boom FM et journaliste sportif à RDS, mais également l'humoriste et originaire d'Henryville, Benoît Paquette. Donc, ils vont former un duo pour ce 50e anniversaire. Donc, on les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des vétérans, parlons des oriflammes que vous allez voir apparaître au mois d'octobre-novembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a 91. Et tout ça est à l'effigie de vétérans qu'on désire honorer. Bref, c'est un projet chapeauté, en fait, par la Ville et aussi par la Légion canadienne. On vous en parle à l'instant. Au cours de l'automne prochain, à l'occasion de cette campagne du Jour du souvenir, vous allez probablement voir se hisser un peu partout dans la ville des oriflammes. Pour honorer nos vétérans, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu collabore à ce projet. Il y a eu un dévoilement d'ailleurs qui s'est fait tout récemment. Deux invités pour nous en parler. D'abord, la conseillère municipale Patricia Poisson. Bonsoir. Bonsoir, Éric. De même que M. Pierre Garneau, de la Légion canadienne. Bonsoir et bienvenue. Bon, d'ailleurs, on les voit derrière vous. Peut-être nous expliquer d'abord d'où émane l'idée de ce projet. Ça a pris naissance à quel endroit? Qui veut répondre? Bien, moi, je peux juste dire à la base que j'ai eu un appel, alors pour me proposer d'aller rencontrer les gens de la Légion canadienne pour me parler de ce projet-là. Alors, c'est vraiment eux qui ont eu l'idée, qui ont trouvé tout. Puis là, à la suite, bien, je vais laisser M. Garneau. Il y a déjà une ville au Nouveau-Brunswick qui l'a faite l'année dernière, puis on a vu ça aux nouvelles. Puis à partir de là, j'ai dit, en étant dans le comité administratif de la Légion ici, on dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça ici à Saint-Jean? On s'appelle Ville-Garnison. Ça serait une bonne manière d'honorer nos vétérans. À partir de là, le projet s'est fait. On a rencontré Mme Poisson, on a rencontré le maire. À partir de là, on ne pouvait pas procéder avec le projet si on n'avait pas l'appui de la Ville. Du moment qu'on a eu l'appui de la Ville, on a procédé à ça. Et le 28 mars dernier, on a fait le dévoilement officiel de nos oriflammes. Donc, c'est un projet qui a pris naissance tout récemment, quoi, tout juste après les élections? Oui, à peu près fin novembre, je vous dirais, que début décembre. Alors, c'est là que je suis allée les rencontrer à la Légion. Ils m'ont présenté le projet que je trouvais vraiment intéressant. Je trouvais que la ville était, comme M. Garneau disait, une ville garnison. Alors, pourquoi pas la faire vivre garnison? Alors, le projet était bon. On l'a emmené à M. Fecteau. Alors, M. le maire, on est allé le rencontrer. Puis tout de suite, on a eu de l'ouverture. Puis on trouvait vraiment là, que c'était une bonne idée. Puis vous le voyez comment c'est beau, là, comment ça, la couleur et ouais. Tout. Là. Bon, tout ça, évidemment, ça s'inscrit un peu dans cette ouais. Vision du nouveau conseil de ville ouais. Où on parle justement de ce principe de ville-garnison. Donc, ça s'inscrit ouais. Un peu dans ce décor-là. M. Garneau, parlez-nous justement de cette expérience au Nouveau-Brunswick. Donc, vous avez vu ça tout bonnement, quoi, aux nouvelles à la télé? Aux nouvelles à la télévision. Puis quand on regardait la télévision avec mon épouse, et puis on a vu ça, on a dit, pourquoi Saint-Jean? Pourquoi pas Saint-Jean? Puis, en partant de là, j'ai contacté la personne au Nouveau-Brunswick, je lui ai parlé, je lui ai posé des questions, puis même que lui, il me disait, pour l'année prochaine, ils vont doubler le nombre d'oriflammes, tellement que ça a pris de l'ampleur. Et puis, nous autres au Québec, on est la première ville au Québec qui va avoir des oriflammes pour honorer nos vétérans. Quel est le principe même des oriflammes? Parce que là, on les a ici derrière vous. Donc, c'est à l'effigie des vétérans qui sont issus de la région, c'est bien ça? Oui. Et donc, les gens doivent se les procurer. Bref, quel est le mode de fonctionnement des oriflammes? Mais tout vétéran qui a fait partie des forces armées canadiennes, soit qu'il soit de la régulière ou de la réserve, ou membre de la GRC, et qui résident ou ont résidé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Autrement dit, qui ont eu un pied à terre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, une personne qui demeure à Saint-Jean et qu'un de ses parents ou son père ou quoi que ce soit, un de ses oncles, a servi dans les Forces armées canadiennes et qui veut l'honorer. Son oncle peut venir de Québec, mais lui, il veut l'honorer. Il peut s'en procurer. Compte tenu que c'est des gens de la région. On préconise les gens de la région. En autant que soit la personne qui est sur l'oriflamme ou la personne qui se la procure a eu un pied à terre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il peut s'en procurer. Combien d'oriflammes ont été confectionnés jusqu'à maintenant? Bien, je pourrais laisser l'honneur à M. Garneau parce que c'est un projet qui va très bien. Alors, présentement, la Ville nous a dit qu'il y avait de la place pour monter 91 oriflammes. Présentement, en date de cet après-midi, on est à 83, soit de vendus ou de réservés. Sur 91? Sur 91. Il nous reste la place pour 8. Donc, ça veut dire, pour être clair, donc, il y a 83 personnes qui actuellement se sont commises pour acheter un oriflamme. Oui.
qui vaut 130 $. L'Oriflamme, est-ce que déjà il est à l'effigie d'un vétéran? Est-ce que ça, c'est déjà fait à l'avance? Ou est-ce que les gens peuvent honorer la mémoire du vétéran qu'ils veulent? Ça fonctionne comment? Bien, si on regarde l'Oriflamme qui est derrière nous, okay, on peut voir ici, la base va toujours être la même au niveau de le drapeau canadien, les slogans, puis la Légion, le coquelicot, la ville de Saint-Jean. Ce qui va changer, c'est la photo. C'est la photo et le nom. Exactement. Et aussi les années de service qu'il va avoir fait. Et donc, dans les 83 qui ont été réservés jusqu'ici, donc on a identifié 83 vétérans, c'est non, bien ça? Non, on peut dire qu'on a identifié 73, parce que celle-ci, on en a fait, la Légion en a fait faire 10 comme celle-ci. Des génériques, c'est ça? Pour remercier, le merci a deux significations sur cette Oriflamme. La première signification, merci à nos vétérans, merci à ceux qui ont servi la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Paris, qui ont servi soit le maintien de la paix, ouais, ou la guerre froide, ou qui ont servi dans les forces armées canadiennes, ou dans la gendarmerie royale du Canada, qui servent en dehors du pays bien souvent. Et le merci a une autre signification aussi, merci à la population d'encourager la campagne du coquelicot qui commence le dernier vendredi du mois d'octobre. Donc, vous en avez une dizaine de génériques avec le mot « merci oui, » avec oui, le coquelicot. Oui. Les autres sont à l'effigie donc d'un vétéran qu'on vient honorer. Exact. Bon, celui qui est tout juste derrière vous, oui, on parle ici de M. Alexandre Doucette, armé 1943-1970. Donc, évidemment, on comprend que ce n'est pas son année de naissance et de décès. Non. C'est vraiment ses années de service. Oui, oui. 1943, ça nous dit qu'il a servi durant la Deuxième Guerre mondiale et il a servi durant la guerre de Corée. Parce qu'armé, et nous autres connaissons un peu M. Doucette, parce que je l'ai connu de son vivant. Et c'est un monsieur d'ailleurs qui est décédé il n'y a pas très longtemps. 2012, OK. Et c'est son épouse qui s'est procuré l'Oriflamme. Et puis, quand j'ai parti le projet en étant en communication à la Légion royale canadienne ici à Saint-Jean, j'ai envoyé un courriel à tous les membres, leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient du projet. Et c'est la seule qui m'a répondu, puis elle était très fière, elle a dit, je suis prêt à embarquer là-dedans. Et puis, je vous dis, la dame, jusqu'à date, elle fait partie du comité Projet Oriflamme. Elle a fait un ouvrage fantastique. Souvent, quand on parle des vétérans, moi qui ai 43 ans, la référence que j'ai, c'est des vieux monsieur qui ont fait la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, puis on sait qu'il n'en reste pratiquement plus. L'âge est là, les années sont là. Mais on perd cette notion plus moderne, plus récente de nos militaires qui sont allés soit dans la guerre du Golfe au début des années 90 ou même en Afghanistan dans les 10 dernières années. La Bosnie aussi. Et en Bosnie-Herzégovine, en Haïti, en, ce moment, en Afrique. On a beaucoup aussi aujourd'hui de vétérans qui ont servi le maintien de la paix. Oui. Ça n'a pas toujours été facile du côté du maintien de la paix non plus. Donc cette notion de, quand on parle de vétérans, c'est pas nécessairement des personnes très, très, très âgées. Il y a aussi des vétérans très récents de l'histoire du Canada. Bien oui, bien oui. Et présentement, on a fait sur le côté de la procuration d'Oriflamme. Si un père de famille ici, il a son garçon qui sert présentement dans les Forces armées canadiennes, puis le père de famille demeure à Saint-Jean, il peut se procurer une Oriflamme pour son garçon qui est encore dans les Forces armées canadiennes. Bon, et dans ceux que vous avez de réservés jusqu'ici, là, les 73 à l'effigie là, des personnes, est-ce que vous avez à peu près certains exemples de jeunes et de moins jeunes qui sont honorés sur ces Oriflammes? Des vétérans que vous avez? On en a un qui a servi pour la Première Guerre mondiale. Il était dans les plus vieux. Et puis, probablement, vous connaissez la personne qui l'a parrainé. C'est le grand-père du maire, M. Fecteau. OK. Okay. Et dans les plus jeunes? Et dans les plus jeunes, je pense que je suis peut-être un des plus jeunes. Non. Vous êtes un des plus jeunes? OK. Ça fait que... Mais on en a qui sortent présentement dans les... qui viennent de sortir des Forces armées canadiennes, qui s'en sont procurés aussi. OK. Je connais un... Il y en a un, puis ça m'a été confirmé cet après-midi. C'est acheté par un militaire qui est présentement encore en service pour un de ses habits dans les forces qui prend sa retraite. Ouais. Fait qu'il s'en est approqué l'une comme un cadeau de retraite. Ouais. Madame Poisson, donc on dit 91 Oriflammes au total. Donc ce sont en des ce endroits qui ont été désignés par la ville. Donc à quel endroit on va voir ces Oriflammes? C'est les portes Oriflammes qui sont déjà après les poteaux de lumière ou quelconque dans la ville. Alors si on regarde dans le temps des Montgolfières, on a des Oriflammes pour annoncer aussi les Montgolfières ou la Saint-Jean-Baptiste aussi, on a des drapeaux du Canada. Alors c'est sur ces portes Oriflammes-là que ceux-ci vont être installés.
Alors, c'est les 91. Quand on se promène, on l'en voit un peu partout. Là. Il y en a souvent des séminaires Saint-Jacques, ici, en descendant à côté. Si on regarde aussi où qu'on va faire le parc, le square du 22e qu'on a mis le veilleur, notre statue, il y en a plein maintenant qui ont été installés aussi. Fait que c'est tout à ces endroits-là. Ça va être partout vraiment dans la ville. Donc, la ville possède déjà un réseau de 91 oriflammes en infrastructure qu'on interchange selon les saisons, selon les événements. Et dans le fond, et généralement, probablement qu'à l'automne, octobre, novembre, c'était pas utilisé? Non, pas du tout. Alors, c'est pour ça, puis comment ça on va fonctionner? C'est que nous, la Ville, on s'implique dans le projet Oriflamme en installant, désinstallant, et on va aussi entreposer les oriflammes quand on va les enlever. Ils devraient être là pour une période d'environ d'un mois, en même temps que la période de coquelicot. Alors, ce sera à peu près du 15 octobre ou un petit peu après le 11 novembre, le jour du souvenir, évidemment. Et une fois que la période est terminée, on fait quoi avec les oriflammes? On les entrepose à la Ville. Puis pour la saison suivante? Pour la saison. Oui, on va les réinstaller l'année d'après. Oui. On est parti du principe les oriflammes sont fabriqués à la même place que ceux que le Festival de Montgolfière ont. Ouais. Et on s'est informé auprès du Festival de Montgolfière. Là, ça fait 7 ans présentement qu'ils se servent des mêmes oriflammes. Fait qu'on sait que la personne qui a investi 130 $ pour un oriflamme, c'est pas seulement pour cette année. Ouais. C'est pour la durée de vie de l'oriflamme. Fait qu'eux autres, on a essayé de garder la même longueur qu'ils vont être installés que le Festival de Montgolfière. Fait qu'on sait tout de suite, c'est 7 ans. Mais il y a quand même une certaine... C'est quand même pas très cher pour honorer la mémoire de quelqu'un qui a servi. Forcément, je présume qu'au moment où les oriflammes seront installés, pour les familles qui vont passer... Là, on va avoir probablement beaucoup d'appels, effectivement. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de militaires à la retraite qui vivent dans Saint-Jean. Là. Ils sont ici. Alors, est-ce qu'il y a un prix pour honorer la mémoire de quelqu'un? C'est ça. Vous avez servi à quel endroit? Moi, j'ai servi en Allemagne. J'ai servi en Israël. J'étais là durant la guerre du Golfe, où, quand les SCAD tombaient sur Israël, le Golan, j'étais là. Et un peu partout au pays, en Colombie-Britannique. J'ai fait la Saskatchewan, le Québec, l'Ontario, sur une période de 25 ans. Et c'est important de ne pas oublier? Non, il ne faut pas, parce que si on oublie, on va faire les mêmes erreurs. Oui. À vous deux, merci infiniment. Donc, si parfois il y a des gens qui ont encore de l'intérêt, j'imagine que c'est le temps de vous contacter quand même assez rapidement. Exactement. Ils peuvent appeler M. Garneau à la Légion canadienne. Et puis, rendu à 92, on va faire une liste d'attente et on va mettre de la pression sur la ville. Pour installer d'autres oriflammes. Pour avoir d'autres portes oriflammes. Puis, ils peuvent me communiquer aussi à la maison s'il y en a qui sont intéressés. Mon numéro est disponible. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bonne soirée. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du 50e anniversaire du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Le gala de l'excellence de la Chambre de commerce du Richelieu est un événement très important, très couru. En plus, cette année, c'est le 50e anniversaire. Oui, il y a toujours cette formule où on remet des prix, mais il y a aussi du divertissement, il y a de l'animation. Et cette année, la Chambre a confié à deux gars de chez nous l'animation de ce 50e gala. D'abord, François Bessette, bonsoir. Salut, Éric. De même que Benoît Paquette, bonsoir et bienvenue. Monsieur Latour. Pourquoi ils vous ont choisi? On se pose la question encore. Honnêtement, là. Vous n'avez pas demandé? Hein? Non, mais honnêtement, non, on n'a jamais posé la question. Non, on n'a pas posé la question. Vous n'avez pas auditionné. Non, mais la chose certaine, moi, personnellement, je suis vraiment content parce que, tu sais, on est les gars du coin. Puis finalement, on va avoir la chance d'animer ce gala-là. Moi, quand on m'a appelé, j'ai même pas hésité. J'ai trouvé ça génial qu'on me lâche un petit coup de fil. Est-ce qu'on vous a appelé séparément ou à quel moment vous avez su que vous étiez pour... On reste ensemble. Ça, c'est un coming out, ça! Tu veux qu'on ne se parle pas. Mais moi, je savais que François faisait partie. Tu savais déjà? Oui, oui. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite, parce que je venais de faire l'animation d'un gros gala
au Château-Frontenac pour universitaires, c'est tout ça. Et je faisais les deux, le côté protocolaire, les prix et l'animation et le divertissement. C'était une très grosse, grosse job. Quand, c'est drôle, on m'a offert, pour, puis c'était le 50e, puis là, on m'a offert un autre 50e. Puis j'ai vraiment fait comme, je ne sais plus trop. C'est une grosse là. Commande. C'est une très grosse commande, mais comme on dit, mais tu ne seras pas tout seul, il y aurait François Lessette, peut-être qui s'occuperait du protocolaire, mais... peut-être toi, tu aimes moins ça, je fais, on embarque. Là, c'est une bonne idée. Mais oui. Toi, François, quand on t'a approché, est-ce que d'emblée, on t'avait dit qu'on cherchait également un co-animateur, quelqu'un pour te donner la réplique? Bien, au moins, on m'avait déjà parlé de Benoît. Alors, on avait déjà dans les plans okay. que ce serait le duo Bessette-Paquette. On me demandait si ça m'intéressait. Moi, écoute, c'est un nouveau défi. Au lieu de dire 5 à 4, 3 à 2 pendant tous les bulletins de sport ou animer une émission de matin à la radio que j'adore, j'avais la chance de travailler avec un vrai professionnel, un humoriste. J'en ai fait d'animation. Des fois, on dit que j'étais un peu pince sans rire, mais de là, travailler avec un pro, hey, c'est quelque chose, c'est toute une expérience. De quelle façon allez-vous développer votre formule ou votre complicité versus la commande que la Chambre vous livre, Benoît? Bien, moi, j'aille lire devant le monde. Et François est très bon là-dedans. Donc, tout, comme je disais, tout le côté protocolaire, François va assumer cette partie-là. Donc, le côté plate du gars-là. Et voilà. Tu as tout compris, Éric. C'est ça. Et moi, je remets les prix. C'est encore plus plate. Tu devrais voir la robe. Ah, ça tu devrais voir la robe. Hey, non, ça le fait bien. Non, là, c'est ce qu'on vous impose. Est-ce qu'on vous impose une thématique? Certains thèmes, oui, oui. Oui, certains thèmes. C'est correct. Ça, c'est le fun. Oui, oui. De toute façon, travailler avec un gars comme Benoît, il y a tellement d'imagination. On nous met sur des pistes et là, c'est parti. Ce gars-là, il y a de l'imagination, ça n'a pas de bon sens. Alors, on commence, puis là, on peut échanger. Oui. Et ce qui est très intéressant avec Benoît, c'est qu'il est aussi très, très ouvert. Alors, souvent, il part, il a une idée. Alors, tous les coups, on commence à jaser un peu, on en parle, puis on fait une présentation. Oui, puis le côté imitation en congrès ou en gala et tout ça, c'est le fun parce que tu peux inviter à la visite que tu veux. Et on peut mixer ça avec plusieurs thèmes. Ça se mixe très bien. Au lieu de faire du monologue, bien là, on a telle personnalité qui va parler de tel sujet. J'ai plus de facilité à créer en imitant et que de faire du stand-up et essayer d'être drôle en moi-même. Donc, les gens apprécient beaucoup l'imitation en congrès. Donc, c'est une pierre deux coups. Mais effectivement, remettre des prix, lire devant le public, lire des feuilles, des cartons et tout ça. C'est moi, j'ai un déficit d'attention. L'œil, écoute, il se sac de moi bien raide. Donc, c'est pas que je sais pas lire, mais c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Et donc, le fait, je pense qu'on a trouvé une belle combine, puis je pense que ça va être à répéter ça. Oui. Déjà, on s'entend bien, on a beaucoup de plaisir à travailler oui. ensemble, et on se complète bien, parce que où est-ce que je suis moins habile ou moins à l'aise, François l'est, et vice-versa. Mais on a quand même une couple de sketchs ensemble, il est capable, puis on va en pousser une couple. Oui, oui, mais, j'ai pas la prétention d'être comique, c'est lui qui mène le show, puis ça va être vraiment très intéressant. Puis quand il dit qu'il y a un déficit d'attention, là, tu penses qu'il t'écoute depuis tantôt, là? Mais c'est pas... Pantoute. Écoutez-le pas, M. Mongrain. Mais donc, là, évidemment, on est dans un gala, c'est le 50e. Oui. Il y a la remise des prix traditionnelle. Donc, à certains moments de la soirée, il y a le repas là-dedans. Mm-hmm. Parfois, les gens sont assis pendant quand même de très nombreuses heures, très, très, très longtemps. Donc, il faut chercher leur attention, justement, à les divertir. C'est quoi? C'est des sketchs de 2-3 minutes? Combien de sketchs avez-vous à bâtir tout au cours de la soirée? Le nombre exact... J'en ai écrit 5, là. Je les ai envoyés d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si tu les as reçus ce soir, cet après-midi, je les ai envoyés. Après, 5 sketchs, dont 2 où on fait des duos ensemble. Et oui, mais effectivement, c'est des 2-3 minutes, c'est pour créer du rythme surtout. L'important, la grosse commande de cette soirée-là, tu l'as dit, c'est une longue soirée, les remises de prix, il faut les faire. S'il y a un respect là-dedans, il ne faut pas négliger ça. Mais on va mettre du rythme. C'est très important dans cette soirée. Très important. Il ne faut pas oublier le but de cette soirée-là. C'est 50e. C'est pas rien, quand même. C'est le gala d'excellence, la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Oui. Donc, il y a un protocole à respecter, oui. L'animation doit être faite, mais on peut quand même le faire avec un petit sourire. On peut quand même s'amuser, on peut quand même divertir. C'est ça. Puis moi, je suis un congressiste, je sais quelle barrière ne pas franchir lorsqu'on tombe avec des gens d'affaires, des gens sérieux. Et tout ça. Donc, moi, je suis dans mes pantoufles en passant. Il n'y a aucun problème. Bon, François, évidemment, ici, on te connaît comme étant animateur de la radio le matin, animateur radio, journaliste sportif du côté d'RDS. Benoît, bon, le site est originaire d'Henryville, mais au cours des 10-15 dernières années, ta carrière, évidemment, à Montréal, est assez diversifiée. Tu fais du Dieu créa la flaque. Oui, oui. On ne te voit pas, mais on t'entend beaucoup. Tu fais également là, les revues de fin d'année. Oui, revues corrigées chaque année. Explique-nous
Dis-nous peut-être en 2-3 minutes, là, à quoi ressemble ta carrière actuellement dans ton domaine de l'humour et de l'imitation. Là. D'accord. Bon, moi, je suis un imitateur assumé. Alors, je fais quasiment que de l'imitation. J'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Puis on est 4-5 au Québec. Donc, on se peut en profiter. Oui, puis c'est pas l'ouvrage qui manque. Fait que je suis très privilégié, très content. J'ai travaillé au moins 8-9 ans tout seul dans les premières années. Oui. Et dans le même mois, j'ai reçu deux appels. Denise Filiatro pour la revue. Elle venait de se lier au Théâtre du Rideau Vert. Avec Pierre-Carl Péladeau, d'ailleurs. Ouais. Et qui a sauvé le Rideau Vert. Elle a dit qu'elle voulait refaire la revue. On a fait la revue. Je pensais que tu allais dire qu'elle sauvait quand même. C'est pas ça que vous voulez dire. Non, hein? J'ai okay, mal okay, à mon okay. Québec. Bref. Ouais. Dans le même mois, comme je disais, j'ai reçu l'appel de Pierre Huet, qui est le collègue de Serge Chapelot, pour un personnage à éduquer à la fac. Dans le même mois, là, ma carrière venait de changer. Et ça fait 10 ans que les deux projets durent. Wow. Deux beaux projets récurrents. La FLAC, éduquer à la FLAC, c'est à l'année. Parce que quand on fait de l'actualité, une fois que c'est terminé, c'est de l'animation. Donc, c'est beaucoup de travail. On fait de l'intemporel. Alors, pendant l'été, on continue. Et la revue de l'année, c'est un 4 mois intensif, 2 mois de répétition de travail et 2 mois de spectacle. Alors, donc, ces deux projets-là t'occupent pratiquement à temps plein. Là. Carrément, oui. Et on mêle à ça une trentaine de congrès, entre 20 et 30 congrès. Même. Alors, je suis très privilégié. Très occupé. Bien content. Très occupé. Tu as deux jobs. Radio. Je ne vais pas me plaindre, hein, tous les matins à la radio à Bourg. Mais puis... juste pour qu'on t'associe à quelques-unes des voix de Dieu créé à la FLAC, quels sont les personnages que tu fais précisément? J'ai gagné mes élections. Moi, je fais Amir Kadir, entre autres. Il y a Maxime Bernier, il y a Jean Lapierre. Il y a Maître Guy Bertrand, il y a Maxime Bernier, hein, quand on y va pas de main morte. Ensuite de ça, j'avais le pape, mais je vais faire le nouveau pape, bien sûr. Alors, j'ai au moins 7 à 8 personnages. Est-ce que Jean Lapierre nous risque à commenter l'élection d'hier? Écoute, moi, dire comme on dit, Éric, hein, une sangsue, quand ça finit de sucer son sang, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est ça. Mais Jean Lapierre est rempli de d'expressions. Il en sort des papiers. Il fait pas partie du trèfle à 4 feuilles, là. Non, non. Oui, on dort. Il est sorti ça. Mais il est génial. Mais c'est du bonbon, des personnalités comme. Dans le cadre du gala de la Chambre, est-ce que tu peux te risquer jusqu'à imiter des personnalités locales? Oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai déjà essayé, puis ça ne fonctionne pas parce que. C'est pas tout le monde qui connaisse exactement la voix de certains personnages, j'allais dire, de la région. Oui, à la limite, François, ça fait partie des gens connus. Mais exemple, des fois, on me dit toujours, Benoît, notre président, peux-tu nous le faire? Mais je me rends compte que le président, bon, je vais mettre un mois de travail dessus, mais je me rends compte dans la salle, c'est pas tout le monde qui connaisse le président. Et les références sont pas toutes là. Alors, ça passe un peu dans le beurre, puis moi, je me suis tapé de l'ouvrage. Alors, c'est très touché. À moi, qu'il y a une star là, dans la place, là, Denis Coderre arrive. C'est tentant d'en faire une coupe. Non, il n'y a pas de danger. C'est souvent dans le propos qu'il faut faire attention, pas dans le choix. Le gala est au mois d'avril. Ça va vous demander quoi comme somme de travail, François, d'ici la tenue de l'événement? Bien, pour moi, personnellement, c'est sûr que c'est sort de ma zone de confort. Comme je l'ai dit et tu l'as répété, je travaille à RDS, je fais les bulletins de sport, je fais de l'animation d'émissions sportives, tous les matins à la radio à Boom. Je suis habitué, je suis dans une zone de confort. Là, d'animer un gala, j'en fais de l'animation de gala de chambre de commerce, mais de cette envergure-là, de celle de la chambre de commerce du Haut-Richelieu, et de travailler avec un humoriste, c'est sûr que ça me demande plus de travail, participer à l'écriture un peu, même si c'est Benoît qui Mais c'est ça, est-ce que vous vous rencontrez une fois par semaine, vous vous appelez, vous vous envoyez des appels? Oui, on est en contact, on s'est rencontrés au moins une fois par semaine jusqu'ici. Ah oui, déjà? Oui, déjà beaucoup de travail de fait, parce que après les textes, là, moi d'habitude, j'ai été les souffleurs devant moi là, qui me dit quoi dire. Là ça ne sera pas la même chose, là. Ça va être de l'animation ou ça va... On va pas jaser un petit peu plus, échanger. Oui, carrément. Puis là, tu vas plus lire quand même. Moi, je vais apprendre les textes. C'est moi qui. Tu sais, je veux dire, on peut pas avoir. C'est vrai que dans le fond, moi, que du positif. Alors, c'est ça, dans le fond. Ça demande quoi? Une 50aine d'heures de travail chacun? C'est pas honnêtement, j'ai pas évalué. Moi, j'étais tellement passionné. Mais le fait d'être deux, déjà, on divise là. Oui, exactement. Puis moi, j'étais tellement content de faire ce projet-là avec Benoît que. OK, vous le savez, là, j'ai un horaire très chargé, là, mais ça ne me dérangeait pas. Ce que je voulais, c'est de vivre l'expérience, le faire,
Oui, puis dans mon cas, bon, j'ai beaucoup d'expérience. Ça fait 17 ans que je fais du congrès. Je sais où aller. Ça va rapidement. Ouais. On me propose des idées. Je sais tout de suite. Bon, OK, on va parler de telle façon. On va prendre telle émission de télé pour faire telle parodie de tel sujet. Moi, ça va vite dans ma tête parce que j'ai l'habitude d'en parce faire. Parce qu'il le fait. Il le fait. Donc, il y a l'expérience. Donc, on roule. On roule. Puis, François aussi est très, très généreux puis très ouvert. Fait que ça, on fly. Puis dans les brainstorming, il est très payant aussi. Il m'a lâché une coupe de ligne. Merci, bonsoir. Alors, non, ça va bien. Ça va bien. C'est pas. Il a l'air surpris. Non, je dirais que c'est plus l'apprentissage des textes. Il va être long. Mais ça se monte assez vite. Il n'y a pas 600 façons de monter un gala ou un congrès. Il faut que je dise « Et toi, Benoît? » Non, et toi, Benoît? C'est le ton dans lequel c'est tu le dis. C'est le ton. C'est tout est là. Tout est là. Pas évident. Un nouveau duo est né. Pocket Bessette? Pocket Bessette. Pocket Bessette. Mais en congrès, pourquoi pas? On ne sait jamais. On est rendu là. 50e anniversaire, gala de l'excellence de la Chambre de commerce de Richelieu avec François Bessette et Benoît Paquette. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance dans ce projet. On a bien hâte de vous voir. Et si vous faire un tour, je pense qu'on va avoir du plaisir. Merci beaucoup. Merci, Éric. Merci à toi. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Attention, le mercredi 16 avril, entre 11 et 13 heures, il y aura un exercice de mesures d'urgence du côté du Collège militaire royal. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine, à l'exception du dimanche de Pâques, où ça va être 4 000. Pourquoi? Parce que la carte pleine va être haussée de 2 à 2 500 uniquement pour le dimanche de Pâques. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Il y en a sur tout le territoire des MRC au Richelieu, Rouville. Il y en a également du côté de Farnham, de Chambly, de Carignan, Saint-Mathias, Richelieu. Bref, pour connaître la liste, allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. Voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel Éric Latour à Commercial TV à Charneuf.com. Visitez notre site Internet et également, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Le prochain rendez-vous d'Éric Latour.com, c'est demain. Bye-bye.